Mes compliments, Charles. Est-ce que tu sais que tu as une belle écriture, que tu lis aussi? L'enfant, emmenez-le. Puis-je savoir pourquoi? Ces messieurs de la convention vont désirer vous parler. Bien joué. Nous continuerons plus tard. Messieurs, que puis-je pour vous? Mon nom est Chambon, maire de Paris. Il est de mon devoir de vous informer que la convention a pris la décision de vous assigner devant un tribunal. Je vois. Sous quelle accusation? L'accusation sera portée à votre connaissance en bonne forme et en son temps. Vous avez la possibilité de choisir votre avocat. Mais avant et pendant le procès, vous n'aurez le droit à aucune communication avec votre famille. Certainement, monsieur, vous ne m'interdirez pas le fait de voir mes enfants. Vous pourrez, si vous insistez, recevoir la visite de vos enfants. Et dans ce cas, il leur sera interdit toute communication avec leur mère et leur tante. C'est un choix difficile. En fait, je n'ai pas le choix. Ainsi soit-il. Vous m'avez tout pris. C'est naturel que maintenant vous preniez aussi mes enfants. Je suis en votre pouvoir, messieurs. Alors simplement, dites ce que vous attendez de moi. Vous asseoir. La Convention nationale, en vertu de la souveraineté qui lui a été conférée par le peuple français, est chargé d'énoncer les crimes de Louis Capet. Tentative de corruption des députés, à commencer par Mirabeau. Tentative d'évasion. Massacre du Champ de Mars. Après votre retour de Varennes, le sang des citoyens était versé au Champ de Mars. Une lettre prouve qu'il existait une conspiration criminelle entre vous et Lafayette. Qu'avez-vous à dire ? Je ne savais rien de cette malheureuse affaire du Champ de Mars. Quant à la lettre dont vous me parlez, je n'en ai pas eu connaissance. Mais elle est de votre main. Je ne me souviens pas l'avoir écrite. C'est incroyable. Vos frères, ennemis de la nation, ont rallié les émigrés sous leur drapeau. Ces émigrés-là font la guerre à la France. Vous ne les avez pas désavoués? Mais si, monsieur. J'ai désavoué toutes les actions de mes frères aussitôt qu'elles ont été portées à ma connaissance. Après vous être d'abord assuré que vous ne feriez pas de tort à leur projet. Vous êtes libre de vos opinions. Alors là, l'exagère. Il est prouvé que vous avez appelé les régiments qui défendaient la patrie à déserter. Jamais, monsieur. Jamais. Vous avez opposé votre veto au décret contre les prêtres réfractaires. Comme la Constitution m'en donnait le droit. Pourquoi avoir fait doubler la garde suisse aux Tuileries au début du mois d'août? Parce que le palais était menacé, j'étais une autorité constituée, il était de mon devoir de prendre des mesures défensives. Non.
le 10 août, vous avez fait couler le sang des Français. Non, monsieur, ce n'est pas moi. Avez-vous fait construire une armoire avec une porte de fer aux Tuileries dans laquelle il sait que c'est sans espoir, mais il a du courage. Je n'en ai jamais eu. Je l'admire.